belle, belle, belle comme le jour. T'as aimé cette petite intro musicale en vrai? Bah, tu mets un petit pouce vert, tu mets un petit commentaire là pour la vidéo, je sais pas, tu partages avec tes potes, ta soeur, ta grand-mère, ton père, ton frère, ton cousin, ta cousine, ton grand-père, ton arrière-grand-père, ton arrière-grand-mère, tu partages avec tout le monde, tu mets un petit pouce vert, tu mets un commentaire à la fin de la vidéo, tu vois, sur mon Twitter, sur mon Facebook, sur ma chaîne secondaire, tu fais plein de trucs si tu veux. Allez, merci, ciao, bonne vidéo. Salut à tous les gars, c'est Johnny Katz, comment ça va? Moi ça va super bien, aujourd'hui on se trouve pour un deuxième épisode de Joue et Paye, ou Play et Paye, je sais plus comment j'ai appelé cette série. Enfin bref, donc dans l'épisode précédent, je vous ai demandé de choisir entre Buffon et Alaba, ou Ogbonna et Pedro, et ok, donc j'ai eu un petit problème. J'ai été assez con, ok? Donc tout le monde, genre 90% des gens m'ont dit le choix numéro 1 qui était... Buffon et Alaba. Et moi comme un con, j'ai inversé, j'ai pris Ogbonna et Pedro. Donc voilà, je suis désolé, le gameplay avec Ogbonna et Pedro, je suis vraiment con. Donc voilà, on va passer au gameplay directement, donc maintenant. Voilà, c'est parti. Donc premier match, on va jouer contre ce gars qui a une équipe Serie A, donc Balotelli, Sharawi, tout ça. Rien de trop compliqué. On va marquer le premier goal avec Ruben Castro sur un centre. Oh oui, je sais, un centre. Oh, Johnny, t'es un connard. Tu as pris un deuxième centre, Ruben Castro. Oh, mais Johnny, qu'est-ce que tu fais? Je suis un haineux, moi, je suis pas d'accord. Mais regarde ça, cousin. Tu vois, après, tu te plains, mais tu remarques jamais les goals que je marque comme ça. Hop, on va tout droit. On va tout droit, simplement. Puis voilà, 30 000 crédits, 3 goals, c'est bon. Diego Capel, 38ème minute. Juste après, après ce goal, Ramsey, il va prendre un penalty. Qui va convertir, bien évidemment, 40 000 crédits dans la cagnotte. C'est bon, c'est pour moi, c'est cadeau. Là, Pedro, encore une fois. Tu vois, les haineux, ils savent pas quand je fais des goals comme ça, quand je mets des lobes et tout, ils comprennent pas. Ils voient que les centres-têtes. Là, ce goal, pourquoi tu fais ça? Ça, je comprends pas les gens qui font ça. Qu'est-ce qui se passe dans leur tête? Je ne sais pas. 60 000 crédits, et c'est un peu comme ça que le match va se terminer. Donc... 60 000 crédits dans la cagnotte, ça fait plaisir. Ruben Castro du match de goal, Pedro, Diego Capel et Ramsey, goal. On va passer dans un deuxième match maintenant, voilà, avec ce gars qui est l'équipe full brésilienne, avec des skinners, you know, avec Thiago Silva, Felipe Santana, Elton, Dani Alves, que je vais peut-être bientôt avoir, je ne sais pas. Et donc là, je vais marquer le premier goal avec Strootman. Mais quel goal, Strootman, qu'est-ce que tu m'as fait? 10 000 crédits, c'est bon. Après, là, je vais réussir à intercepter le ballon avec Conco, puis je vais passer à Ruben Castro. Et Ruben Castro qui va... Je sais pas ce qu'il va faire. Il fait une petite farde, hop, hop, par derrière, goal, 20 000 crédits, c'est bon, 2-0. Ruben Castro, lui, il s'en fout, Ruben Castro, il s'en fout. Il rentre et il marque. Il défonce tout, Ruben Castro, tu vois. Et donc, c'est comme ça que le match va se terminer. 30 000 crédits. Donc voilà, 30 000 crédits, ça fait plaisir. En tout, on est à 90 000 crédits, donc on peut avoir quand même du gros joueur avec 90 000 crédits. Mais c'est pas fini. Parce qu'on va entrer dans un autre match contre un abonné qui s'appelle... Oh merde. Oh, je suis désolé, j'ai oublié ton nom. Mais voilà, tu te reconnaîtras. Tu m'as dit que t'avais pas de chaîne YouTube, donc c'est pas grave. Je suis vraiment désolé. J'ai oublié ton nom, je suis désolé. Donc ouais. Premier goal, ça va être... Lui, malheureusement, mais il a bien joué son coup parce que moi j'ai sorti mon gardien. Puis lui, il s'est mis dos à moi et il a bien géré son coup. Puis là, je vais faire une passe. Et à partir de là, le match, il est parti en couille. Regardez-moi ce corner. Tu vois, des corners comme ça, ça va pas. Regarde mon joueur. Donc voilà, 3-0, 0 crédit pour ce match. Et c'est comme ça que le match va se terminer parce que je vais faire des coups. Le match déprimant. Donc voilà, maintenant, c'est à vous de faire votre choix. Vous avez deux choix possibles, ok? Comme vous pouvez le voir, vous avez choix numéro 1, Schweinsteiger et Xavi. Choix numéro 2, Reus et Dani Alves. Donc j'ai un petit peu analysé ce dont j'avais besoin. Donc c'est vrai qu'au niveau défense, il faut un petit peu améliorer vu qu'au niveau attaque, on est pas mal. Donc je sais pas si c'est Reus ou Dani Alves. Reus et Dani Alves. Mais tandis qu'au milieu, on n'a pas grand-chose. On a personne. Donc, Schweinsteiger, Xavi, ça peut être pas mal aussi. Donc, voilà, c'est à vous deux. Il faut améliorer la défense aussi. Il faut améliorer le milieu de terrain. Il faut améliorer à peu près tout. Donc, voilà, je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo, les amis. On se voit très bientôt. Oh.
Et si vous avez aimé, mettez un pouce vert, ça fait toujours plaisir. Et dites-moi dans les commentaires quel choix, le choix 1 ou le choix 2. Et cette fois, je ne me tromperai pas. Donc, ouais, merci d'avoir regardé cette vidéo, les amis. Et à la prochaine. Ciao !